Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Volfirion, un jeu de chez Tabula Game qui m'a été envoyé par Légion Distribution, hein, qui va le rendre disponible en France avec sa traduction. Donc c'est un jeu de deck building qui contient à peu près 136 cartes. Vous allez voir, hein, il y a plein de possibilités différentes. Il y a Eric des figurines et des jeux qui s'est permis de faire une vidéo des règles. Moi, je préfère vous présenter un let's play, donc je vous engage à aller voir hein, sa vidéo de présentation des règles. Bien entendu, pendant le let's play, on traite hein, tous les points de règles du jeu, vous allez le comprendre, mais on le fait tout au long de la partie qui dure quand même une trentaine de minutes. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo d'Eric. Et puis ensuite revenir me voir ou alors ben, prendre le temps de suivre cette partie que je fais avec Anthony. Juste une précision, hein, dans cette vidéo j'ai fait une toute petite erreur, c'est-à-dire qu'au moment où j'attaque une ville, vous allez voir que le jeu c'est d'attaquer en fait des cités. Eh bien normalement elle n'est protégée que par les gardiens et pas par les tours. Et sur la fin de la partie, on la joue comme si elle était également protégée par des tours. C'est une erreur. Ça devrait me faire gagner un tour avant, ça devrait faire gagner Anthony le tour d'après. Vous nous excuserez, on était en plein apprentissage. Voilà, le mot est dit, la correction est faite. Attention, je rajouterai également une partie solo, puisqu'il est disponible en solo et également à 4. Je ferai cette partie sans aucun doute en live pour qu'on puisse un petit peu discuter du jeu. Sinon, je le ferai également en let's play. Et puis, si j'arrive à trouver eh ben, trois d'entre vous qui seraient intéressés pour venir en Île-de-France pour jouer à Volferion, eh ben, on fera une partie à 4. Allez, c'est parti! On va directement partir sur une partie qu'on va commenter et on va essayer de vous expliquer pourquoi on fait certaines choses, pourquoi comment. Et puis j'ai mon super t-shirt de 6PO et DR2D2, donc normalement je gagne. Mais d'accord, hein? Alors la mise en place du plateau, très rapidement. En fait, l'objectif c'est de détruire les villes. D'ailleurs, il faudrait qu'on répare, faut que je répare les miennes parce qu'on sort d'une partie, bien entendu. C'est de détruire en fait les trois villes de l'adversaire. Donc on a chacun trois villes, une qui vaut 8, une qui vaut 9 et une qui vaut 10 points. Les points d'attaque, ça correspond à des épées qui sont en rouge sur les cartes. Mystéa, c'est un jeu de deck building, donc on va partir en fait avec un deck de base. Un deck de base qui rapporte pas grand-chose, mais comme tous les jeux en fait de deck building, il va grandir avec le temps. Et puis on va venir piocher dans une river qui va se composer ici. On va venir faire des achats grâce à des capacités sur les cartes qui. Alors la carte, elle a trois informations. Elle a une information de magie, une information d'achat et une information de combat. Donc avec l'information d'achat, ben, je vais pouvoir venir ponctionner des cartes. On va voir qu'avec la version d'attaque, on va pouvoir attaquer les villes de l'adversaire, mais également venir saisir ici ce qu'on appelle des merveilles qu'on va mettre en place tout de suite. Des merveilles qui sont en fait des cartes qui sont permanentes sur votre zone de jeu et qui vont vous apporter également des bénéfices. Et puis on a ensuite la magie qui vous permet de mulligan en fait la river, c'est-à-dire de faire un peu tourner cette river, éventuellement d'interagir avec les cartes de l'adversaire en les paralysant. Et pour les déparalyser, ben, il faut réutiliser, il faut que l'adversaire utilise sa propre magie. Ou alors de commander le dragon, puisqu'en fait Volferion c'est le dragon, il est dans sa ville à lui. Et si vous avez la possibilité, pour 8 points de magie, de le prendre et de l'envoyer sur une cité adverse, et là, c'est un peu comme dans Game of Thrones, c'est la panique. Il y a du feu un peu partout. La mise en place est très simple, on met donc les trois cités. On va sortir deux cartes merveilles, partant du principe qu'elles ne peuvent pas. Voilà, là on a un 4. On ne peut pas mettre cette carte-là, il faut minimum, enfin maximum que ce soit deux cartes de 3. Donc je vais repiocher jusqu'à ce que je trouve 3. Voilà, je trouve 3. Donc ça c'est pour le premier tour. Après bien sûr, ce qui sortira, ben, sortira. Voilà, donc là on a deux cartes de 3. Je mets la 4 qui est sortie sous le paquet. Et puis on va constituer la river qui est constituée de 5 cartes. Une. Deux. 3, 4 et 5. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va également retourner la carte du dessus ici, parce que je l'ai dit, avec la magie, on peut
changer une carte ici, puis faire descendre cette carte là. L'avantage étant que en faisant ça, ben, soit je me permets d'obtenir cette carte là, mais c'est surtout, vous le verrez à l'usage, empêcher hein, le joueur adverse de venir piocher une carte ici. On n'a pas envie. Je reviens sur les trois types de cartes qui peuvent être disponibles dans cette river. Vous avez les cartes de commandement comme Anut Trick, vous aurez les tours comme Apokitari, et vous aurez en fait les gardiens, en fait les troupes comme la carte Guard. Donc voilà, ça c'est les trois catégories de cartes qui sont disponibles dans la river et que vous allez pouvoir piocher à cet endroit, qui sont donc des cartes qui sont différentes des merveilles, puisque les merveilles, hein, on l'a dit, sont des cartes spéciales que l'on va acquérir et qui seront permanentes. Anut Trick est donc une carte de commandement. On voit juste à côté du nom le coût, hein, 4. Là, en l'occurrence, les trois cartes que je vous présente valent 4. Et donc, pour pouvoir les acheter dans la river, il faudra que je paye 4. Mais ça, on y reviendra pendant la partie. C'est un commandement, c'est-à-dire que c'est une carte qui va se jouer, tout simplement. Hein, elle va se consommer dans le jeu. L'apothécarie, elle, par contre, c'est une tour. Donc, en fait, elle va, vous allez le voir dans la partie, s'ajouter à une cité. Et en se posant sur une cité dans l'emplacement tour, elle va ensuite apporter ses bienfaits, en l'occurrence ici, une capacité d'achat, une capacité de magie. Quant aux guards, c'est une des cartes les plus importantes pour protéger les cités, puisque vous avez vu qu'elle a une valeur de protection qui est de 4, et lorsqu'elle est posée sur une ville, elle augmente sa valeur de défense de 4, donc pour les villes qui sont à 8, eh bien on va passer à 12, celle à 9 à 13, et puis ensuite celle à 10 à 14. Et il faudra d'abord, par exemple pour une ville à 14, attaquer et faire 14 points de dégâts, ce qui ne fera que détruire la carte Guard, vous allez le voir, puis ensuite réattaquer la cité et faire 10 de dégâts pour définitivement s'en séparer. Vous remarquerez également que sur ces trois cartes, il y a en dessous une valeur conditionnelle. Et bien en fait, c'est une valeur conditionnelle qui est que la carte apporte en fait ses bienfaits, mais elle est également en capacité, si on fait certaines actions, de faire autre chose ou de faire quelque chose de supplémentaire. Par exemple, à notre trick, si je la détruis, je vais pouvoir supprimer une carte Guard. La carte Guard, si je la détruis, eh bien je vais pouvoir bénéficier de 3 points de force supplémentaires. Quant à l'apothécarie, celle-ci elle a une spécificité, c'est que si j'ai en main une carte bleue, avec un fanion bleu, vous voyez qu'ici j'ai un fanion rouge, violet et gris, mais si dans ma main ou sur mon jeu, c'est-à-dire au niveau de mes cités, j'ai du bleu, eh bien je vais déclencher en fait cette option supplémentaire, et cette fois-ci cette carte ne m'apportera plus 1 en niveau magie, mais 2. Voilà, donc la mise en jeu, la mise en place est faite. On fait avec l'appli. Alors il y a une appli qui est disponible en fait, qui vous permet de compter vos points. Et puis également, alors l'intérêt de compter les points, c'est que ouais, on s'est quand même rendu compte à l'usage, mais on le fait pas malgré tout. Mais on s'est rendu compte à l'usage que les points montent vite, et puis pouvoir se rappeler combien on a de points en magie, combien on a de points en force, combien on a de points en achat, ça peut être intéressant. Là, ce qu'on va faire, c'est game et voilà, on va déterminer la priorité. Donc c'est marrant. Ah, j'ai gagné. Voilà, c'est moi qui gagne. Alors, sinon, dans les règles, si vous n'avez pas l'appli, c'est inscrit, je ne sais pas si tu as lu ça. Non. C'est marqué que c'est la personne qui a le dernier vu un dragon qui a la priorité. Donc, vu un dragon, soit virtuellement, soit... Donc déjà, en gros, le possesseur du jeu, il a de fortes chances de tout le temps gagner parce qu'il y a un dragon sur la table. Ouais. Donc, il peut dire qu'il est le dernier à avoir vu un dragon. Allez, je constitue ma première main. Donc, je mélange cette main de base. Alors dans cette main de base, il y a des prospecteurs, des divineurs, un divineur et un capitaine. Voilà, donc la main, c'est 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je sors ma carte, je sors des prospects et mon divineur. Donc des prospects et mon divineur, l'avantage c'est que déjà en achat je vais avoir 1, 2, 3, 4 et 5 points. 5 points d'achat, donc je vais pouvoir venir acheter des cartes ici. Et avec le divineur et ses 3 cartes de magie, je vais pouvoir mulligan une carte ici puis faire redescendre celle-ci. J'ai peut-être pas forcément intérêt à faire descendre cette carte-là, elle est pas mal non plus. Alors qu'est-ce que je vais acheter pour 5 points? Moi je vais acheter cette carte-là parce qu'elle a prouvé son effet, donc elle va directement dans ma défausse hein, au moment où je l'achète. Et puis je vais prendre celle-ci aussi, parce qu'elle a un avantage, c'est que si je la détruis, je vais récupérer 3 points de magie.
Et ça, c'est un bon moyen d'atteindre les fameux 8 points de magie pour utiliser le dragon et donc l'envoyer dans une cité. Donc voilà, j'ai payé mes 5. Pour 3, est-ce que je mulligan ou pas? La 6, Anthony ne pourra pas l'acheter à ce premier tour, c'est sûr, puisqu'il n'aura maximum que 5 en achat. Il peut acheter donc ça ou ça. Cette carte-là, elle est très intéressante parce qu'elle apporte beaucoup de choses, plus que celle-ci au final. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te dégager ça. Et je vais te mettre ça à la place. Voilà. Mon tour est terminé. Donc mon paquet, toute ma main, même si je n'ai pas consommé toute ma main passe en défausse. Et puis ici, ben, je dois reconstituer la river. Voilà, hop. Et hop. Et c'est à toi. Et il faut retourner celle-ci pour permettre effectivement... Ok, alors 4 prospecteurs, ça me fait 4 points d'achat. Avec mon capitaine, ça m'en fait 5. Donc t'as le capitaine, donc cette fois-ci, plutôt que d'avoir de la magie, tu vas avoir de l'attaque en fait. Mm-hmm. Je vais acheter celle-ci. Non, ça c'est la défense. Mais là, sur ton tapis là. Ouais. Donc t'as pris quoi là? T'as acheté Anout. Mais du coup, j'ai 3 points d'attaque et pour 3, je vais acheter celle-ci. La Strange. Et je me défausse d'un prospecteur. Voilà. Donc en fait, quand on achète une merveille, il faut savoir que sur les merveilles, juste en dessous du coup, hein, donc c'est un coup en attaque, donc il a utilisé la capacité de son capitaine pour acquérir une merveille. Mais en dessous de toutes les merveilles, il y a breaker une carte. Et breaker une carte, bah, c'est de pouvoir vous enlever une des cartes de votre main. C'est très important de pouvoir purifier en fait son deck des prospecteurs, parce que le prospecteur il fait que apporter un en crédit, c'est très bien, mais on n'a pas envie de tomber tout le temps sur lui. Bien entendu, plus vous épurez votre deck, hein, ceux qui jouent à des jeux de deck building le savent, plus vous allez sortir des cartes fortes plutôt que d'avoir les cartes de départ. Donc on reconstitue ensuite la zone de jeu. Et c'est à moi. Alors bien entendu, comme tous les jeux de deck building, au début c'est un peu lent, mais bah, ça part vite quoi. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc moi normalement j'ai la même main que toi tout à l'heure. On vérifie, j'ai bien le capitaine et j'ai bien 4 prospects. Et toi maintenant tu vas normalement avoir la même main que moi au début. Donc et ben avec mon capitaine, je pourrais prendre celle-ci, elle est intéressante, elle fait 2-2, mais c'est une carte qui a un logo assez particulier, l'Ascension Path. D'ailleurs, c'est une carte normalement qu'on joue que dans la version avancée. L'Ascension Path, on peut me la prendre en fait, grâce à la magie, en payant 4 de magie. Elle passe de mon niveau à moi, au niveau d'en face, et ça, c'est pas très 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 marrant quand ça arrive. Sinon, de l'autre côté, pour 3, je peux acheter celle-ci qui me rapporte 1-1. Ouais, tant pis, je prends le risque. J'achète celle-ci avec mon capitaine. Et puis avec mes 5 points d'achat, je vais m'équiper d'une tour. Donc il faut savoir en fait que ici vous avez des cartes qui vous permettent d'améliorer votre main en attaque, en achat ou en magie. Et puis également ici des cartes soit de soldats, soit de tours, qui vont en fait vous permettre d'améliorer vos cités. Donc cette carte-là, en fait, cette carte de tour qui est ici, elle est intéressante parce qu'elle va donner 2 points d'attaque en permanence à ma main. Ce qui est plus intéressant, en fait, d'obtenir, c'est cette carte-là, qui est une carte de soldat et qui va rajouter 2 points de défense à la cité. C'est-à-dire que, par exemple, la cité de 8, eh ben, elle va passer à 10. Donc si je l'achète et que je la retire, je pourrais la poser ensuite sur cette cité et la cité passera en défense à 10. Et vous verrez quand on attaquera une cité qu'il ne s'agit pas de faire 10 en dégâts pour détruire en fait cette ville. L'attaquer une première fois et atteindre le niveau 10 supprimera la carte des soldats. Et c'est seulement lorsque une carte est totalement vide qu'il faut faire son score pour la détruire totalement. Sauf avec le dragon qu'on verra tout à l'heure. Donc moi on a dit que j'avais 5 en achat. 5 en achat, ben ce que je vais faire c'est que je vais quand même prendre ça parce que c'est intéressant. Et puis, je vais prendre celle-ci. Ah, oui, il était à moi, celui-là. C'est peut-être celle qui me manque, du coup. Non, ça doit être celle qui te manque à toi, oui. Ouais, c'est ça.
Tiens. C'est pour ça que j'ai dû remélanger, piocher. D'accord. C'est pas grave, je vais le mettre là. J'ai acheté un prospect, donc je dégage un de mes prospects. J'ai acheté une merveille, je veux dire. Du coup, je dégage un prospect, je rajoute une merveille et je recompose la river. Et pendant qu'Anthony réfléchit, je vous parle du saboteur, qui est une carte qui est vraiment super sympa parce qu'en fait, quand vous la prenez, en fait, vous la mettez dans la main de votre adversaire. En fait, elle va pourrir un peu son deck puisqu'elle ne fait que vous apporter un en capacité d'achat et elle n'est pas défaussable. On peut pas, en fait, on peut pas la détruire. On est tout le temps obligé de l'avoir dans sa main. C'est un peu une carte pute, quoi. Ok, alors j'ai 4 prospecteurs, un capitaine. Ça me fait 5 points d'achat. Pour 5, je vais acheter cette tour. Et il me reste 3 points d'attaque. Pour 3, je vais acheter cette merveille-là. Et je me défausse d'un prospecteur. Ok. On reconstitue le tour. Moi, j'ai plus rien dans ma main. Donc je prends ma défausse. Je la brasse. Et je retire 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je retire 5 cartes. Je me trouve avec 3 prospects. Le divineur et le Worthy Trade qui va m'apporter 1 en achat et 1 en magie. Donc je me retrouve avec 4 en magie. Ça c'est intéressant. Et 1, 2, 3, 4, 5 en achat. Alors, il y a une tour là-haut qui est pas mal. Il y a une tour ici qui est bien. Je vais... Je vais acheter cette tour-là pour 5. L'ordre dans lequel je fais les choses n'a aucune importance. Je peux d'abord acheter... puis faire l'attaque, puis faire la magie, ou utiliser la magie. Enfin, il n'y a pas vraiment d'importance dans l'ordre. Donc, je vais acheter cette tour-là. Et puis, pour 4, je vais mulligan celle-là, parce que j'ai pas envie que tu me la mettes dans la tête. Voilà. Donc, ça coûte 2, en fait, en magie, de faire un mulligan de paquet. Et je peux le refaire une deuxième fois, puisque j'en ai 4. 6, tu vas avoir du mal à acheter ça. Par contre, je vais t'empêcher d'acheter une troupe de renfort. J'espère. Et poser ça à la place. Fin de mon tour, je reconstitue la river. C'est à toi. Ok. Alors, 3 prospectors, strange box et un trix. Je vais poser ma merveille ici. Alors, la merveille, c'est une carte qui a pour avantage d'être permanente. C'est-à-dire qu'elle est posée là. Et maintenant, son apport, qui est un d'achat et un de magie, il est permanent. Il est permanent pour toute la partie, sauf si je la détruis, mais je ne peux pas la détruire celle-ci, je ne peux pas la récupérer. Par contre, ce que je peux faire, c'est l'incliner pour 3 de magie. Ok, ça me fait 3, 4, 5, 6. 6 de points d'achat. Je vais acheter... cette carte là. Merde. Oui. J'avais pas dit au tour d'avant, il n'aura pas assez pour acheter. Mais si, en fait. Et du coup, ça me donne un point d'attaque. Je ne peux rien acheter pour un point d'attaque. J'ai un point de magie. Je peux rien faire du tout, donc j'ai fini mon tour. Ok. On reconstitue la river. Donc toujours, ne pas oublier de retourner la carte, ce qu'on fait souvent. Hein, l'avantage de pouvoir faire un mulligan. Moi, je tire mes 5 cartes. Prospect, capitaine, harness et barter. Je l'aime bien, c'est ici la harness. Elle apporte beaucoup de choses. Pour l'instant, pas assez, mais bientôt. Alors, ce qui me fait en attaque 4, en achat
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en magie... en magie 1, mais je pourrais passer à 4 si j'en avais envie, mais je vais pas le faire maintenant. Donc on va passer, on va d'abord jouer l'achat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en achat. C'est dommage, il n'y a plus la tour qui était sympa puisqu'Anthony l'a prise. Je vais jouer offensif peut-être moi sur cette partie là. Est-ce que je joue offensif ou est-ce que je joue magique? Je sais pas. C'était bien de jouer magie finalement. Hein, c'était intéressant. Pourquoi c'est intéressant de jouer magie? Parce qu'en fait, quand on joue magie, on peut rapidement contrôler, le dragon. Et ça, c'est sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis embêté parce que. Je suis embêté. Si je prends celle-ci, je peux prendre que celle-ci. Et si je veux la jouer force, je peux prendre celle-ci et celle-là pour 6. Je peux prendre... Allez, je prends la tour. Je prends la tour. Et puis, en attaque, j'ai 3 et 4. 3 et 4, je vais pouvoir prendre les deux merveilles parce qu'elles valent chacune 2. Et j'ai 4 au total. Et je vais pouvoir, comme j'en ai pris 2, défausser 2 prospects. À toi. Donc ce qui est intéressant, hein, c'est quand vos merveilles commencent à sortir, vous vous retrouvez avec des cartes permanentes et avec des effets qui sont permanents. Et là, du coup, les combos commencent à se déclencher. D'autant plus que sur une grande partie des... même toutes, je crois, toutes les merveilles ont une double condition. Une condition qui se déclenche en fonction de ce qui est présent dans votre main ou de votre capacité à décider de détruire une carte. Par exemple, la merveille qu'il a, s'il la détruit, il gagne 2 en achat pour l'instant. Ok, je vais jouer cette merveille ici. Je vais placer ma tour ici. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 points d'achat. 6, 6, 6. Il est en pleine réflexion, vous avez vu. Je vais acheter ces deux-là. Celle-ci et celle-ci. Ok. Il me reste 1, 2. 2 points d'attaque. Je ne peux rien acheter. Et un point de savoir, de magie, j'ai un seul point. Ok. Je finis mon tour. Donc moi, je dois reconstituer ma main. Mais actuellement, dans la main disponible, j'ai que 4 cartes. Donc bien entendu, je prends ma défausse, comme dans tous les jeux de deck building. Je brasse ma défausse et je pioche la carte qui me manque pour pouvoir atteindre le seuil de 5 cartes. Je sors 2 prospects, le novice, la War Academy et l'Assassin Pass. Donc l'Assassin Pass, l'avantage, c'est que c'est une merveille. Donc c'est une merveille, je vais la poser. Elle va m'apporter 2 en achat et puis 2 en combat. Voilà, donc ça, je l'ai. Ensuite, l'Académie War, c'est une tour qui apporte 5 en attaque. Donc, je vais la poser sur ma carte de 10 parce que c'est la moins fragile de toutes. Voilà. Enfin, c'est la plus forte de toutes pour l'instant. Et puis, je vais poser mon novice qui va augmenter de 2 ma défense. Et en l'occurrence, je vais le mettre ici pour que mon 8 passe à 10. Bien entendu, maintenant qu'elles sont posées, elles m'apportent ce qu'elles peuvent offrir. En l'occurrence, l'Académie, elle m'offre 2 points d'attaque. Il me reste mes 2 prospects, donc 2 prospects, 2 points d'achat. Mon Ascension Pass, elle m'offre 2 points d'achat également. Donc je suis à 4 dans ma capacité d'achat. 4 dans ma capacité d'achat. Je vais naturellement prendre Anout, puisqu'en plus Anout, il a une capacité spéciale, c'est que si je le break, si je m'en débarrasse, je vais supprimer une défense d'une de tes cités, et ça, j'adore jouer ça, souvent on ne s'y attend pas. Et puis en attaque, on a dit que j'avais 4 points, puisque j'ai la War Academy et j'ai mon Ascension Pass. 4 points, ben, je vais prendre le Primal Beast, parce qu'il est quand même hyper balèze. Il a l'avantage d'apporter de l'attaque et de la magie, et surtout si on le break, de tirer une carte. À toi. Je mets l'Ascension Pass ici, mais je vais la...
j'y ferai référence régulièrement. Désolé pour le chant, mais pour tout mettre, c'est compliqué. Et comme j'ai acheté une merveille, je défausse une carte, et en l'occurrence, je défausse un prospect. C'est important à ne pas oublier. Il y a des choses comme ça hein, qu'il faut essayer de ne pas oublier de faire, parce que bon, c'est dommage. C'est de l'open box, hein. Il y a beaucoup de choses à faire en fait dans le jeu. Il y a plusieurs façons de gagner et plusieurs façons de perdre. Ok, alors j'ai placé ma tour ici, il faut que j'appuie ça là. J'ai 3 prospecteurs, 3 points d'achat, donc plus un capitaine, ça fait 4, 5, 6, 7. J'ai 7 points d'achat, donc celle-là, elle va venir là. Et ensuite, en point d'attaque, j'ai 3, 4, 5, 5, 5, je vais prendre 7 merveilles ici. Et donc, je me défausse d'un prospecteur. D'accord. Elle aide de se dire, mais il se passe rien dans ce jeu. N'inquiétez pas, ça va venir. Hein. D'un coup. Je recrée la river. Je n'oublie pas de retourner cette carte-là pour permettre à ma magie de faire. Je vous rappelle que hors champ, ici, là, j'ai un Association Pass qui me rajoute 2 et 1 et 2 en attaque, 2 en achat. Qu'est-ce que j'ai tiré? J'ai tiré Worthy, Diviner, Prospector, Prospector, Prospector. Ok. Alors, ça me fait 4 en magie. On va commencer par ça. Vous allez voir, c'est sympa. Avec ce 4 en magie, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir venir m'attaquer en fait à ces merveilles-là. Parce qu'elles lui apportent des choses en jeu constamment et il faut que je commence à le calmer un peu. Donc comme j'ai 4, là où il y a une petite valeur de 3, et ça me permet de dire que en fait je défausse, enfin c'est pas je défausse, c'est je bloque en fait cette carte. Je vais bloquer celle-ci parce que je sais que il l'a prise pour avoir un peu de magie. Il commence à avoir de l'expérience. Donc je vais lui paralyser en fait cette carte-là. Il aura tout à fait la possibilité de la redresser, mais il faudra pour ça qu'il utilise 3 points de magie. Donc ça c'est fait, j'ai utilisé ma magie. Il me reste mes achats. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en achat. 5 en achat, on n'a pas de truc. Je vais racheter celle-ci, elle est bien, elle apporte plein de choses. Elle est pratique. Je l'ai déjà en main en plus. Donc comme je l'ai déjà en main, quand elle est dans mon deck, quand je la ressortirai, je pourrai débloquer en fait son deuxième effet. On en reparlera quand on y sera. Voilà, fin de tour pour moi. Et là, normalement, ça va commencer à devenir un peu plus problématique. Pour lui, comme pour moi. Puisqu'on okay. arrive en fait dans les tours, à avoir des decks de plus en plus efficients. Oula. T'as combien? Dis-moi, parce qu'après j'aurais besoin pour le... 4 prospectors et Floris Deploy. Ok. Ok. Donc ça me fait, mes prospecteurs me rapportent 4 points d'achat. Du vert plus du... Non, j'ai pas de vert, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 points d'achat. Pour 8... Je prends celle-ci. Ok, pour les points d'achat, c'est good. En point d'attaque, j'ai 2. 2, ça fait 5, 6, 7. J'ai 7 points d'attaque. 7 points d'attaque. Là, on va prendre celle-ci. Mmh. Oui, j'ai vu. Mmh. Donc, en fait, il a pris une carte qui est super sympa, qui s'appelle Emerald. Et en fait, s'il la défausse, il m'envoie le dragon directement. C'est... un petit peu une carte qu'il a bien repérée, moi aussi, et voilà, ça fait très très mal. Ok, donc je me défausse d'un prospector. En point de magie, j'ai 2, 3. 3 seulement. Ouais, on va prendre
Non, tu peux pas acheter avec la magie. Tu ne peux rien acheter avec de la magie. Tu peux mulligan. Tu peux mulligan. Tu vois, l'achat, il est bien spécifié ici. Ouais. Hein. On achète la carte avec le logo qui est en haut à droite. Non, je vais rien faire avec mes points de magie. D'accord. À moi. Si, attends, je peux peut-être redresser celle-ci. J'en ai combien ? T'en avais que deux. J'en ai que deux ? Non, j'en ai trois. T'en as trois ? Eh ben oui, c'est bon. Hop. Très bien. À moi. Donc moi, j'ai Barter, le capitaine, l'apothicary, la sharp et la divining. Alors, j'ai donc deux cartes de merveilles, en fait, qui apparaissent. Je peux en mettre autant que je veux sur ma table, en fait, des merveilles. Donc, ben, je vais les ajouter. Évidemment. Voilà. J'ajoute ces merveilles-là à mon paquet. Merci. Hop, hop. Et hop. Voilà, donc là, j'ajoute ça. Ensuite, j'ai l'apothicary qui est donc une tour que je vais venir poser ici, qui a l'avantage de me rajouter un point de magie, d'accord ? Avec ce point de magie, je vais prendre Barber et je vais le breaker. Attends, je réfléchis. Ouais, je vais breaker Barber, ça va me rapporter 3 points de magie. 3, 4, 4, plus 3, je vais breaker ça aussi, ça va m'en faire 7. Et je vais breaker celle-ci, pour en avoir 2 de plus, 7, 8, 9, j'ai 9 points de magie, je vais prendre le dragon, et je vais l'envoyer sur une cité d'Anthony. Et du coup, le dragon, il est ultime, lui il n'a pas besoin de détruire les tours ou les gardiens avant de détruire la ville. Je le pose directement et il va falloir qu'il ait au moins 8 de magie pour pouvoir renvoyer le dragon chez lui. Si à la fin de son tour, il n'a pas renvoyé le dragon chez lui, eh ben, il va perdre cette cité. J'ai joué un peu précipitamment, j'aurais pas dû en fait, parce qu'avant de défausser mes cartes, ce que j'aurais dû faire, c'est profiter des apports qu'elles avaient autrement, mais c'est pas grave. J'ai 2 points d'attaque ici, 2, 4, 5, et puis comme j'ai mon capitaine, ça me fait 8 d'achat, c'est bien assez pour prendre de toute façon les deux merveilles qui sont ici. Comme j'ai pris deux merveilles, je me défausse de 2 cartes. En l'occurrence, il me reste encore des prospectors, donc je dégage les prospectors. Je reconstitue. Au niveau achat, j'avais rien à acheter parce que j'ai pas assez d'argent. Je reconstitue les 2 cartes qui sont là. Et c'est à toi. Donc là, le problème, c'est que comme il a le dragon en fait sur sa ville, il faut absolument qu'il constitue 8 points de magie pour pouvoir s'en débarrasser. S'il ne constitue pas les 8 points de magie, il peut jouer. Il va faire ce qu'il a à faire, des achats, des attaques, un petit peu de magie. Mais à la fin de son tour, il va perdre la cité. Ok. Alors, est-ce que tu as réussi à faire 8 points de magie ? Je les aurais pas, je pense. D'accord. Par contre, vu que dans ma main, j'ai une bannière rouge. J'en ai même 2, je peux piocher une. Attention ! Ah. Eh bien non, pas de point de magie, ok. Qu'est-ce que t'as dans ta main, s'il te plaît ? Alors, Anutrix. Ouais. Living Knife, ouais. C'est une mission. Decisive Strike, un Prospector et un Captain. D'accord. Ok. Celle-ci va me rajouter un point d'attaque. Ok, bon, j'ai déjà compté mes points d'achat, j'en ai 2. 3, 4, 5, 6, 7, 7. Il y a un qui va me donner de la magie ? Non. De toute façon, tu pourrais pas le jouer maintenant. Ouais, mais pour après. Ouais. Je suis un peu en... En manque ? Ouais. Je prends celle-ci. Ok. Au point d'attaque, ce coup-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
15 points d'attaque. Et ben on va commencer à jarter celle-ci. Hop, et évidemment. Prise. Et du coup, il me reste. Donc il peut m'attaquer, en fait, il peut détruire cette cité immédiatement parce que j'ai posé aucune carte dessus pour la protéger. Et donc il n'est pas obligé de se débarrasser des cartes qui sont dessus avant d'attaquer la cité. Je vais prendre cette merveille, je me dépose un prospector, il me reste mes points de magie à jouer. Que je n'ai pas. 1, 2. J'ai que 2 points de magie. Tu peux mulligan le. Ouais. Ouais. C'est pareil ou même. Non, je vais rien faire avec mes points de magie. Très bien. Ok. Ouais, ok. Donc là, on reconstitue le système. Alors, comme il n'a pas réussi à obtenir 8 points de magie avant la fin de son tour, le dragon rentre chez lui. Mais avant de partir, bah, il aura détruit la tour et détruit la cité. Donc, vous voyez tout l'intérêt qu'il y a à soit... Alors, on est à égalité, concrètement. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un beau coup parce que j'ai envoyé le dragon, parce que j'ai capitalisé de la magie et je suis content, je suis fier de moi, j'ai fait mon truc. Seulement lui, en attendant, bah, il capitalisait en fait de l'attaque et il a défoncé ma cité de neuf que j'ai pas pris le temps en fait de protéger parce que j'étais en train d'acquérir des cartes de défense. Allez, je reconstitue ma main. 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce que je sors? Je sors Arnus Quan, Primary Beast, qui est donc une merveille assez balèze. Puisque si je la détruis, elle me rapportera une pioche. J'ai un prospect, un divineur, et puis Worthy Trade. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est à regarder si certaines cartes peuvent bénéficier de certains effets en doublon, hein, puisque en dessous, en fait, il y a des conditions pour débloquer. Là, en l'occurrence, il me faut une rouge et une bleue. J'ai bien une bleue ici dans ma main, et j'ai bien une rouge ici dans ma main. Donc, comme j'ai une bleue dans ma main et une rouge ici sur mon terrain, cette carte-là, on va additionner les valeurs qui sont en dessous. Ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, je vais pouvoir débloquer, en fait, Arnus Quan. Du coup, je me retrouve en achat avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points d'achat. C'est pas mal, 8 points d'achat. 8 points d'achat, je vais acheter pour 5 celle-ci et pour 3 celle-là. Voilà. Ensuite, en magie, j'ai 1, j'ai 3, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 10, puisque je débloque, puisque j'ai du bleu dans ma main. J'ai 10 points de magie. 10 points de magie, je vais pouvoir faire break et break. Donc je vais breaker ces deux merveilles. Et puis maintenant en attaque, j'ai 3, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8, 9, 10, puisque j'ai débloqué, puisque j'ai les fanions. J'ai 10 en attaque. Évidemment, je vais détruire la cité qui n'est pas protégée et qui vaut 9. Voilà, fin de tour. Ok, bon, je vais jouer cette merveille ici et celle-ci. Donc c'est Emerald et puis Floating. Star. Floating. Donc Floating, elle t'apporte un point d'achat et un point de magie. Ça. Si tu la break, ah oui, je sais ce que tu vas faire, mon salaud. Ouais, voilà. Il va m'envoyer le dragon grâce à Emerald Horn. Donc il faudra que j'ai de la magie pour pouvoir contrer ça. Ça va être chaud. J'ai déjà 1, 2, 3 points de magie. Au pire, ça t'emporisera. Bah, de toute façon, oui, ça va. Alors, l'avantage, en fait, ce qui est bien en fait, dans le jeu, c'est que comme je joue ma magie, et puis que je joue mon attaque, et puis que je joue mon achat, dans un sens, ça temporise oui et non, parce que la magie que je vais jouer pour pouvoir contrer le dragon ne m'empêchera pas de jouer ensuite mon attaque et mon achat. Donc, je fais pas une action au dépend d'une autre, en fait.
Ok, donc en point d'achat, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc avec les points d'achat, je vais acheter Quanvein. Allez! Donc là, je reconstitue la river en mettant 5 cartes. J'ai oublié de jouer ça. J'ai oublié de me défausser de celle-ci pour t'envoyer le dragon. Vas-y, va. Ouais, pas de problème. Vas-y. Sur celle-là. Ouais. On est là pour apprendre, hein. On est là pour montrer aux gens. Alors, oubliez pas, hein, parce que... Nous, on est potes. Mais si tu joues en mode compète, tu l'as dans l'os. Après, c'est moi, hein. J'ai pas demandé s'il avait fini son tour avant de poser la river. C'est pas bien. C'est à moi de demander s'il a bien fini son tour. Donc là, il a défaussé en fait une de ses merveilles qui est Emerald. Et ça lui permet d'envoyer le dragon sans devoir utiliser de la magie. Ça fait mal. Alors, je tire 5 cartes moi. 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver 2 merveilles. 2 merveilles de plus. 2 merveilles de plus, à savoir la Session Pass et le Divining Petal. Le Divining Petal, si je la dégage, elle me apporte 2 points de magie. Ensuite, 2 points de magie. Ici, j'ai 1 point de magie, ça m'en fait 3. 3, 4. 4, 5. 6, 7 et 8. Alors, je te montre. Apothicary m'apporte 1 point de magie. Étant donné que j'ai du bleu dans ma main, je débloque ça, ça me fait 2 points de magie. Avec Ascension Pass, non pas Ascension Pass, avec la Divinity Petal, si je la break, je gagne 2 points de magie. Ça m'en fait 4. 4 plus 1 de Primal Beast, ça m'en fait 5. 5 plus 1 de Sven Deal. Ça m'en fait donc 6. 6. Et j'ai pas de bleu dans la main. Je peux pas débloquer. Je peux pas débloquer 7-8. Je les ai pas. J'ai pas 7-8 en fait. J'ai pas 7-8, je peux pas débloquer ici en fait parce que j'ai pas de bleu. Alors, je vais pas pouvoir débloquer ce fichu dragon. Donc je vais passer à autre chose. Et je vais passer en mode offensif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, avec la Session Pass. 6. 7 avec le pétale. Et 8 avec le Sven Deal. Et 9 avec Anout. Plus 3. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que là, il y a une muraille. C'est chaud cette histoire. Bon, je vais t'attaquer quand même, je pense. Je vais t'attaquer pour faire sauter cette muraille. Puis ce sera pour le prochain tour. Ah, j'ai 2 de plus là. En même temps. Ok. Bon, je vais perdre une ville. Ils vont perdre. Ils ne vont pas en perdre une maintenant. C'est chaud, hein. J'adore ce jeu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'attaque là et donc je détruis ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. S'il me reste 7, je vais pouvoir acheter ces deux-là. En achetant ces deux-là, je me défausse de 2 prospects. Alors, on dit prospect parce qu'on a tendance à se défausser des prospects, mais on n'est pas obligé de se défausser des prospects. On peut se défausser de ce qu'on veut. Au niveau des achats, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Je vais acheter celle-ci et celle-là. Voilà. Fin de tour. J'ai pas réussi, en fait, sauver en fait ma cité, dommage, à un point près. Le dragon rentre chez lui, mais au passage, il éclate ma cité. 2 cités détruites partout. Ça devient chaud. Ok, alors
Floating Crystal, un point d'achat. Un Nutrix, ça fait 3. Un Prospector, 4. 5. 5. J'ai pas de bonus. Non, 5. 5 points d'achat. Ah, pardon, faut reconstituer. C'est moi, excuse-moi. Hop. On est pris dans le jeu, alors du coup, on se dit. Hop. Et voilà. 5 points d'achat. Je vais acheter 7 tours là. Ok. Ensuite, on attaque. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai 2. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8. 8, c'est tout. 8. Tu peux soit attaquer ma ville et donc faire tomber ma tour. C'est compliqué. Bah, je vais essayer de. Je vais reprendre celle-ci. Ah, le salaud! Me débarrasser d'un prospect. Donc là, il reprend en fait la carte qui lui permet d'envoyer Volfurion. Et il espère la tirer rapidement pour gagner la partie, tout simplement. En point de magie, j'en ai un seul. Je vais quand même me défausser de cette carte. Non, je vais pas le faire tout de suite. Un seul point de magie. Et puis ici, je vais jouer quand même cette merveille-là. Et je serre les fesses, et c'est la fin de mon tour. Hop. Hop, alors vais-je réussir à acquérir 8 points d'attaque? J'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 et 5. Si là-dedans, j'ai une attaque, je gagne. C'est fini, ouais. Voilà, parce que là, en fait, j'ai regroupé 8 points d'attaque, et donc, je joue même pas la suite, j'attaque, je détruis sa cité, et j'emporte. Parti. Merci, Anto. Voilà, donc, que penser de Volfurion? Moi, j'aime beaucoup les mécanismes. Déjà, j'aime beaucoup le fait que ce soit dans l'univers de Mystéa. Je trouve que les cartes sont très très belles. Graphiquement, je trouve ça vraiment, vraiment très très beau. J'aime bien ces mécanismes qui permettent en fait soit d'utiliser de la magie, soit d'utiliser de la force, soit d'essayer de composer avec les deux, bien retenir en fait la main qui va se rafraîchir avec les apports que l'on a. Donc il y a une stratégie à construire. C'est un jeu qui met un petit peu de temps à se mettre en place. On peut penser que c'est son défaut, mais en fait, c'est parce que la stratégie va monter, en fait, et que vraiment, il y a une hype qui se construit. Je peux vous assurer que quand on joue, on sait ce qu'on fait, et on se dit, wow, quand celle-ci va ressortir, quand ces deux cartes-là vont comboter, je vais vraiment pouvoir faire ce que je veux. Donc, je ne sais pas si on vous a donné cette impression, mais on maîtrise vraiment, en fait, son destin dans le jeu, et puis, c'est jamais totalement perdu. Vous pouvez avoir perdu deux cités, et puis, quand même, remonter la vague. Ce que je n'ai pas pu montrer dans cette partie, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque l'on bat Volfurion, le dragon. Il suffit d'avoir 16 points d'attaque et vous, en fait, vous tuez le dragon. Et du coup, la cité va venir dans votre cité à vous. Ça, la cité de Volfurion va venir s'ajouter à vos deux cités, à vos trois cités à vous. Ça vous en fait 4, ça fait une cité de plus. Et puis en plus, un avantage, c'est que les merveilles n'entrent plus en jeu. Et ça peut handicaper en fait un joueur. En l'occurrence, je pense que c'est moi que ça aurait handicapé le plus sur cette partie, parce que Anthony avait beaucoup plus de merveilles que moi. Voilà, quoi qu'il en soit, moi je suis très 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 hypé par ce jeu. Je trouve vraiment que le concept est novateur. Il y a des nouvelles mécaniques. Peut-être que certains d'entre vous me diront que ce sont des mécaniques qui sont empruntées d'autres jeux de deck building. Ça reste un deck building, mais je trouve que celui-ci est beaucoup plus enrichissant. Et puis un petit peu comme dans Mystéa, il y a plein de façons de gagner. Comme je le dis, il y a plein de façons de perdre. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis de bons tirages. Parce qu'il n'y a que ça pour pouvoir déclencher la fureur du dragon. Allez, à très bientôt. Bye bye.